Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un petit truc sympathique. Si vous voulez impressionner vos amis, on va faire une petite production d'As. Donc c'est pas des trucs dont je me sers souvent, mais je suis tombé sur ça et ça m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup la méthode. Et vous allez voir, c'est assez cool si vous voulez impressionner vos spectateurs. Ce qui est cool, c'est que vous allez sortir 4 As. Donc vous avez vu dans la démo. Vous avez deux façons de le faire. Donc c'est très simple, vous allez voir, c'est très simple, vraiment. Mais vous avez deux façons de le faire en introduction. Donc soit vous préparez vos 4 As directement sur votre jeu, et vous dites à un ami, regarde, je vais te faire un petit truc sympa. J'ai beaucoup d'intuition pour retrouver les 4 As. Et vous lui montrez un jeu, comme ça, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et vous faites un faux mélange. Donc vous faites un faro. Pour ceux qui savent le faire, vous retenez les 4 cartes du dessus. Ici. Ou soit vous prenez une petite partie ici. Vous coupez et vous mélangez tout le reste des cartes. D'accord, il y a plein de façons de le faire. Ou alors, vous avez aussi, c'est ce que je préfère, vous insérez les 4 As à la suite, à différentes positions. Donc ce mouvement, je vous l'ai appris dans le tuto, juste avant. Ici, hop, vous insérez les 4 As ici, vous dites on a perdu les 4 As, vous coupez. Et les 4 As reviennent sur le dessus du jeu. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, mais il faut absolument faire quelque chose avant, d'accord? Donc le spectateur a vraiment l'impression que les 4 As sont perdus alors qu'ils sont sur le dessus du jeu. Et vous dites que vous avez une particularité, si vous avez un toucher exceptionnel quand vous touchez les cartes comme ça, vous savez exactement où sont placées les 4 As. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir, la production des 4 As va se faire de telle sorte que le spectateur va penser qu'on sort les 4 As de 4 endroits différents, d'accord, des 4 paquets qu'on va lui montrer à chaque fois. Donc premièrement, vous faites une double coupe, une fausse double coupe. Donc vous faites ceci, pour couper, vous mettez par-dessus, vous prenez un break, d'accord. Vous posez cette partie-là, vous posez ce paquet-là, et tout de suite, vous pelez une carte, et vous posez. On va donner l'impression qu'on a posé un petit paquet de cartes, mais en fin de compte, on pose qu'une seule carte, d'accord. Même si le spectateur se rend compte qu'on a posé qu'une seule carte, c'est pas grave, d'accord. Vous posez comme ceci. Ensuite, donc on a un As ici et 3 As ici. Ensuite, vous décalez en main droite. Vous retournez les deux As. Main gauche, main droite. Vous retournez l'As de trèfle devant le paquet, d'accord. Vous posez le paquet en main droite. Vous coupez où vous voulez, et là, instantanément, vous retournez les deux cartes du dessus, qui sont les deux autres As, d'accord. Et donc, quand on fait doucement comme ça, ça donne rien, mais je vous promets qu'en vitesse, alors il faut le faire à vitesse assez rapide, mais pas trop non plus, mais pas trop lente. Donc moi, je vous conseille de le faire à cette vitesse-là. Comme ceci, vous voyez. Il faut que ça soit assez fluide, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt entre chaque manipulation. Donc si vous le faites correctement assez vite, le spectateur va vraiment penser que vous les avez trouvés vraiment par hasard, d'accord. Vous voyez, on coupe. Le fait de couper aussi, d'écarter les jeux et de retourner, on a l'impression que les As sont sortis vraiment de 4 paquets, d'accord, à 4 endroits différents. Donc j'aime beaucoup cette production d'As. Vous pouvez vraiment impressionner vos amis avec ceci. Voilà, c'est pas du tout difficile à faire. Vous avez juste le mélange à bien faire au début, faites-le, c'est très important. Et vous dites, voilà, j'ai un toucher assez exceptionnel. Quand je fais ça, je sais exactement où sont les 4 As. D'accord. Vous pipotez et vous faites votre truc. Voilà, vous le faites à cette vitesse-là, c'est parfait. Donc je vous le fais une dernière fois, c'est très facile. Vous faites une double coupe, une fausse double coupe. Break. Vous posez. Vous posez. Vous prenez une carte, vous décalez, vous tournez, vous déposez celle-ci en face de ce paquet-là, vous posez, vous coupez et vous retournez tout de suite. Ok. Vous pouvez le faire aussi un peu plus rapidement si vous voulez, mais pas trop vite quand même, d'accord. Donc on fait un peu plus rapide. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette petite production d'As vous a plu. Donc c'est pas le genre de magie que je propose en général, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Et le fait que vous mélangez les cartes avant, c'est très important, ça va impressionner votre spectateur. Vous jouez sur l'intuition, sur le toucher
quand vous tenez les cartes et que vous arrivez facilement à sortir les 4 as et pas les autres cartes, d'accord? Donc vous faites du baratin. Et donc le fait que les cartes aient été mélangées, là, le spectateur va se demander comment vous pouvez trouver les 4 as, d'accord? Voilà, et vous lui faites ça, et je pense que il va bien aimer, il va être assez impressionné. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous, à très bientôt.